Bonsoir et bienvenue à cette 5e édition de Science Slam Cameroun. Depuis 16h, les lumières sont faites, les pièces sont apprêtées, le public est déjà là et les candidats aussi sont prêts. C'est vrai qu'ils sont stressés, mais je sais que ça va aller. Donc on lance dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'idole, t'es où? Aujourd'hui, nous allons avoir de la science, nous allons avoir du slam, nous allons avoir de la science slamée et du slam en science. Est-ce que vous êtes prêts? C'est science? C'est science? L'AVC n'est pas l'absence de vin dans le corps, mais l'absence de consommation de l'arachide du Grand Nord. Ils mettent sur eux-mêmes parcelles, les ignames, le gombo, ils mettent sur eux-mêmes parcelles, le manioc. Quand grand-mère faisait son lait sur... Mes cousins suivaient. Nos legs ancestraux, relégués dans les cabanons ou dits d'oubli, aurait dû bercer notre enfance. Et comme je le dis toujours, il y a une seule solution. Transform or disrupt. Phytophthora cinnamoni, répétez après moi s'il vous plaît. Voilà, c'est l'histoire d'amour entre une bactérie et un grand macrophage. On apprendra avec Hegel que l'esprit recherche sans cesse l'évolution. Et que de nos jours, les filles aiment quand on insiste, on persiste, que c'est ça qui les excite. La liberté, en fait, c'est aussi accepter en toute liberté de ne pas être libre. J'aimerais par ma recherche tant de perches aux aidants, proches, frères, des personnes souffrant des troubles de l'humeur. Merci. Et c'est avec vos capuchons que vous allez voter. Je sais que normalement on dit ça à chaque fois que non, tout le monde était bon, tout le monde... Je ne sais pas comment dire que cette fois-ci c'est différent parce que tout le monde était vraiment bon. Merci encore à vous et bonne soirée. J'ai eu deux ateliers avec l'idole. J'ai été motivée par lui là, j'ai été coachée par lui là. C'est une affaire de famille quoi. Depuis le matin, je pose le sujet, un défi que j'ai à relever. Donc je suis contente. Franchement, je ne m'y attendais pas, sans vous mentir, je ne m'y attendais pas. Il a fallu que je gère le stress, le trac, mais tellement que je me suis entraînée. Et avec l'acclamation du public, je me suis en sortie. Il faut avouer que j'ai été très agréablement surprise par ce que les candidats ont présenté. Lors des ateliers, c'était pas tout le temps ça, on a eu des hauts et des bas, des moments de stress. Il y a certains qui se sont même découragés. Mais après ce que j'ai vu là, je vous assure, je suis tellement fière de ce qu'ils ont pu produire. Mais encore plus de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous soutiennent et qui participent et qui assistent aux événements Science Slam. Donc j'ai juste envie de dire merci, merci et merci.